ça avec les gens. Oui, ouais, moi aussi, ça allait vraiment froid, mais ça... J'avais peut-être pas le courage. Los Gants, Pocket Soul, wird präsentiert von Salt. Stress! Comment tu aimes? Wow, guys! Décoré? Sergei! On a petit Billy Bear, on a un petit award, on a maquillé ton taf, les hein? Yeah. Chez toi, c'est pas un taf? Ouais, mais c'est quelque chose comme ça, ouais. Alright, Prince. Aujourd'hui, on veut célébrer le phénomène stress life. Tu vois, il y a toujours dans les radios, il y a les summer heat, mais nous on n'est pas très très live, très très radio pour ça, on n'est pas très bon. Ouais, mais t'as déjà dit le bon mot, live. Vous êtes plutôt live. Ouais. Quand tu écris un album, tu penses déjà à être live, ouais. Bien sûr. Je crois que c'est la première fois que je suis allé sur scène, c'était dans un squat. Et j'avais les genoux littéralement dans mes gros baggy jeans qui faisaient comme ça. Comme ça. 1995. 13. 13 ou 14. Ouais, j'ai dit 15. Mais c'était pas. Ouais, 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 c'était, exactement, ouais, c'était presque ça. Presque ça. C'était vraiment. On peut googler en fait, hein. Le stress. Mais tu vois, et puis quand t'es sur scène et quand tu fais quelque chose, parce que t'as jamais été sur scène avant, et que tu parles avec des gens, et la relation qui se crée juste pour cet instant-là, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, je crois. Et pour moi, c'était vraiment. Waouh! Et quand j'ai vu, quelques années plus tard, on a fait le premier, fort groupe, tu dis. Supporting act, le support, ouais, pour Limp Bizkit. Limp Bizkit! Et c'était un moment dans ma vie, you know, en anglais tu dis bitch slap. I was bitch slapped pour 90 minutes. Et j'étais là, waouh, on peut faire ça avec les gens. Donc quand j'ai vu des trucs comme ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément inspiré pour m'investir beaucoup plus aussi dans le live, tu vois. Alors, on a des hymnes, on a radio était tararara, mais Stress, il a la hymne de l'année. Et on aimerait célébrer la hymne de l'année, on a vraiment... Ce que j'aime, c'est la fumée. Ouais, maman. Si toi tu presses ici le bouton, ouais. On lance la hymne qui chie. Comment on dit chier? Qui chie. Mesdames et messieurs, alors toi tu presses à fond et puis ça va déchirer. Pas mal, j'aurais pu. Bien. Et ça c'est. Là tu fais même du popo. Ah ouais. Le concert. J'avais peut-être pas le courage avant. Non, mais je crois qu'il y a un côté. Ce qui est marrant pour moi, côté sur les festivals, ça devient, tu vois, des panneaux, no crowd surfing, no nanana, et puis merde. Comme tu dis, c'est un peu rock'n'roll. Il fait exprès, il fait le crowd surfing, non? Non, bah oui, bah non, mais c'est pas pour faire rien. Rien à foutre! Mais c'est plutôt, t'es là, les gars, sérieux, c'est génial. C'est pour ça que tu vas dans un concert pour vivre quelque chose que tu pourras pas vivre ailleurs. Tu pourras toujours rester avec ta copine dans la main, à regarder le concert, tu diras, mais c'était joli. Et si t'es avec ta copine et que vous êtes en train de suer et vous vivez des moments que vous ne vivrez jamais ailleurs. C'est ça qu'on fait de la musique. Alors les enfants, Poco. Poco. C'était où le meilleur Kreis cette année? Cette année, 2 à Saint-Gall, c'était un Kreis de 30 mètres. Ils sont blessés, non? Non, mais c'est ça que je dis, les gens ils croient qu'ils vont se blesser. Non, je pense qu'aujourd'hui les gens veulent juste s'amuser et vivre quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et si t'as pas, si t'es pas vécu le Pogo Christ une fois dans ta vie, ça sert à rien. On va te faire foutre si t'as pas vécu le Pogo Christ.
Chris, toi, tu es, je sais bien, très perfectionniste, très control freak, quoi. Non. Why you say that? Ja, mit dem Stress zu arbeiten ist recht mühsam, weil er lässt mich nicht ausreden. Ich habe Ideen immer wieder und ich finde, das sind super Ideen, die ich habe. Aber er findet seine Ideen halt immer besser und ja, lässt mich das nicht lassen. Ja, ich muss das dann einfach machen, was er mir sagt. Aber er hat halt recht, am Schluss ist es dann wieder gleich Top 10. Ouais, bon, il a rigolé un petit peu, mais c'est quand même quelque... Je sais que quand tu fais un album, la couleur, c'est finalement toi qui décides, non? Oui, oui. Il faut être comme ça pour avoir du succès, pour recevoir des... Ça, mais ça, tu vois, je l'ai construit moi avec... Pour recevoir des pierres. Moi, ce que je crois qui est important, c'est que aujourd'hui, OK, on discutait du film de James Brown et du film de Ray Charles. Mm-hmm. Je pense que la grande différence, c'est que, par exemple, Ray Charles, il était là encore quand ils ont fait le film. C'est pour ça que le film, il est tellement énorme. Mm-hmm. Parce que les gars, il était là, il pouvait encore leur dire. Et par exemple, ça, c'était à 2h du matin à Lausanne avec Philippe. On a construit ça, on a collé ça avec nos mains, on a commandé tous ces trucs. Je crois que c'est important de mettre du soi. En tant qu'artiste, tu as toujours des idées. Et moi, souvent, je ne sais pas ce que je veux. Mais je sais ce que je veux pas. Donc, c'est sûr que c'est déjà quelque chose. Ouais. Est-ce que tu pourrais me faire juste 2-3 bars de jungle? Ouais. On n'a pas le noir ici, mais... What would you do if you... No. Ouais, vas-y, mais fais. Mais fais avec ça, fais avec ça. What would you do if your time come? What would you do, je sais pas les mots. What would you do if you're down on? Le jour se lève sur la jungle et tous ses poètes adeptes de la manière forte que t'es si prête. De l'espoir en code barre pour ne pas broyer du noir. À chaque coin de rue on veut te la mettre. Repense à ma femme et repense à leur bravoure. La mère de la haine est souvent l'amour. Pense à mon père sous ce ciel lila. Lui et moi on se sera vraiment loupé dans cette vie là. Ma présence aura-t-elle fait une différence? Malgré tous mes différends et mes divergences. On autopilote de l'obduction. Autopsie d'une utopie sous pression. Quoi? What would you do when time comes?